Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture. Alors, cette fois, je vais vous chanter une petite chanson. Alors, ça commence comme ceci. Je me bidonne tout seul. J'ai pas de problème, moi, à me bidonner tout seul. Ça fait déjà au moins une personne qui se bidonne. On va y aller avec les choses qu'on connaît bien. On va continuer avec le coulage acrylique. Cette fois, on va faire une expérience. On va mettre dans notre acrylique, comme d'habitude, on va la diluer avec de l'eau. Mais cette fois, on va mettre de la colle blanche. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet à propos de la colle blanche. Plusieurs disent que ça fait des cellules et plusieurs disent que lorsqu'une fois qu'elle est sec, ça craque. La peinture va craquer, l'acrylique va craquer. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Et puis, comme d'habitude, ben, j'aime ça l'essayer avec vous. Alors, on va l'essayer et on va voir ce que ça fait. Puis par rapport à ça, ben, on s'ajustera. Alors, on va voir ça tout de suite. Thank you.
C'est wow, hein? Là, c'est épouvantable. Là, je suis obligé de vous dire de toutes les expériences qu'on a fait, ce que je fais avec du silicone, avec de l'huile, avec tout le genre de médium. Je suis obligé de vous dire que là, par exemple, là, avec la colle blanche, pour moi, c'est la première fois que je le dis, là, mais c'est ma préférée. Disons peut-être pas la couleur, pis tout ça, mais le travail que ça fait, c'est clairement ma préférée. Les cellules, par contre, si vous cherchez à avoir des plus grosses cellules, c'est clairement pas la colle blanche que ça vous prend. C'est vraiment le silicone. Comme j'ai toujours dit, on laisse reposer le silicone un peu. Et si on n'a pas des bonnes cellules, on brûle l'acrylique et puis on joue avec la toile pour grossir nos cellules. On ne peut pas se tromper de cette façon-là. Mais si vous cherchez des lignes mieux définies, même que des cellules mieux définies, écoutez, je regarde ça, là, c'est épouvantable. La définition des cellules, la couleur qui s'est placée autour des cellules, c'est extraordinaire le résultat que ça fait. Alors, encore une fois, c'est subjectif, hein, mais pour moi, c'est la plus belle façon. Encore une fois, si vous cherchez à avoir beaucoup de petits détails, c'est la chose à faire. Je suis obligé de vous dire que pour ce qui est des gens qui disent que la colle peut faire craquer l'acrylique, je pense, selon mon opinion, de toute façon, l'acrylique, si vous ne mélangez aucun liquide avec, elle va craquer. À moins d'avoir une superbe qualité d'acrylique, là, mais de l'acrylique ordinaire, puis même certaines un peu plus dispendieuses, si vous ne mettez rien dedans, elle va craquer. Ça, c'est sûr. Surtout en coulage acrylique. Peut-être pas en peinture traditionnelle, mais en coulage acrylique, c'est clair qu'elle va craquer. Peut-être que c'est ça que les gens ont mal interprété. Si on met un petit peu de colle blanche à l'intérieur de leur acrylique, mais qu'ils n'ont pas mis beaucoup, beaucoup d'eau, ou très peu, ou pas du tout, oui, c'est possible que ça craque. Écoutez, on va voir le résultat final. Là, elle est en train de sécher, là. Mais comme je vous dis, là, après ma barre, pour moi, c'est clairement ma préférée. Écoutez, regardez le travail de ça. Et évidemment, là, je vais vous montrer le produit fini une fois que c'est sec. Mais... J'ai jamais vu des lignes aussi raffinées, des cellules aussi détaillées. En tout cas, j'en parle, je vous le dis, là, c'est rare que je dise ça, là, mais c'est clairement ma préférée pour ce que les détails que ça donne. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous allez l'essayer parce que c'est vraiment intéressant. Puis pour moi, là, comme je vous dis, je préfère de loin la colle blanche au silicone et même aux autres. Mais encore là, c'est une question de goût. J'espère toutefois que vous allez l'essayer parce que c'est vraiment intéressant. Vous allez voir le fini que ça donne. Là. C'est épouvantable comment c'est beau. Alors là-dessus, on va se revoir aux prochaines vidéos. Encore une fois, s'il vous plaît, si vous avez apprécié, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. Alors on se revoit aux prochaines vidéos. Attention à vous. Alors.